Bonjour à tous, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur cette remorque sortie aujourd'hui dans le modèle. Donc on va voir ça ensemble. Hein. Voilà, donc vous voyez c'est une remorque avec une dolly, pareil, mais la dolly est déjà intégrée avec prise de force, etc. Donc quand vous l'aurez téléchargé dans le modèle, donc voilà, vous allez dans les. Voilà, vous allez dans les remorques. Et voilà, c'est celle-ci, la Kroger TMR 34. Donc voilà, vous avez différentes petites configurations. Bon, les pneus habituels, hein, voilà. Trelleborg, BKT, Wallerstein, voilà. Voilà, en Wallerstein, vous pouvez voilà, changer la configuration des roues. En Trelleborg, non. En BKT, non. En Lizard, non. Voilà, il n'y a que Wallerstein que vous pouvez changer la configuration des roues. Ensuite, voilà, vous pouvez mettre voilà, la passerelle ou non. Devant la remorque. Ensuite, vous pouvez voilà, changer on va dire la couleur un petit peu de la tôle. Donc voilà, là il est en galvanisé, là il est en checker plate. Voilà, vous avez deux possibilités. Ensuite, la bâche, vous pouvez la mettre ou non. Après, vous avez la couleur du châssis que vous pouvez changer. Donc là, vous voyez, il est en rouge. Voilà, vous pouvez, je sais pas, voilà, vous avez un. Voilà, là, comme j'ai pris un jaune d'air, donc voilà, je le mets en jaune d'air. Voilà, la couleur du motif, je vais le mettre en jaune d'air aussi. Et la couleur des jantes, voilà, c'est argent, noir ou Elgro. Donc voilà, et la plaque d'immatriculation si vous le souhaitez. Donc voilà, dedans vous pouvez mettre 50 000 litres. Donc voilà, pour enlever la bâche, hein, vous connaissez un L1 et puis la flèche de gauche. Voilà, vous l'ouvrez, etc. Voilà, et puis ben, voilà, vous déchargez. Voilà. Par contre, elle est assez rapide à lever, ça c'est bien. C'est vraiment un petit plus. Voilà, elle est assez rapide à lever, assez rapide à descendre. Et après, ben, voilà, comme vous pouvez le voir. Hein, c'est une dolly, voilà, donc c'est assez maniable, vous braquez assez court, elle est déjà intégrée, donc vous n'avez pas besoin de dolly en mode supplémentaire. Après, ben voilà, il n'y a pas d'option, il n'y a pas d'option pour verrouiller, etc. Mais après, vous voyez, si vous allez assez doucement, voilà, ça va tout seul. Et faut un petit peu l'entraînement. Après, moi, je suis habitué, mais bon, ben voilà, il y en a qui sont pas habitués. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et que vous utiliserez ce mode. Franchement, il a l'air assez sympa, voilà, avec voilà, un déchargement assez rapide. Et voilà, franchement, bravo au modeur pour cette remorque. Et d'ici là, ben, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!